dirait que la bande à Carmen s'en tire une fois de plus. Et l'enquête ne peut aboutir. Quartier général, lundi 9h. Policier au clavier. Veuillez vous identifier. Game abandon. Vous êtes identifié game abandon. Votre grade actuel. Inspecteur. Appuyez sur une touche pour continuer. Flash. Trésor national ou Léaï ou de I. Le trésor a été identifié, il s'agit du rouet de Gandhi. Appuyez sur une touche pour continuer. Un suspect de sexe féminin a été aperçu sur le lieu du forfait. Appuyez sur une touche pour continuer. Votre mission. Poursuivre le voleur de New Delhi jusqu'à sa cachette et l'arrêter. Appuyez sur une touche pour continuer. Vous devez arrêter le voleur avant dimanche 17h. Bonne chance à inspecteur Game Abandon. Appuyez sur une touche pour continuer. New Delhi lundi 9h. Le célèbre Fort Rouge, un ancien palais moghol, est situé dans la vieille Delhi, capitale de l'Inde musulmane du 12e au 19e siècle. New Delhi, la capitale d'aujourd'hui, a été érigée en 1911. Fichier. Option. Registre. Inspecteur. Nom Game Abandon. Grade inspecteur. Numéro 1. Annulé. Tableau d'honneur. Le tableau d'honneur est vide. Annulé. Dossier. Carmen Sandigo. Nom. Carmen Sandigo. Sexe. Féminin. Occupation. Ancien agent du service d'espionnage de Monaco. Hobby. Tennis. Couleur de cheveux. Brun roux. Voiture. Décapotable Packard 1939. Signe particulier. Ne se montre jamais en public sans son collier de rubis. Autre aime beaucoup les tacos. Véronique et Davina. Nom. Véronique et Davina. Sexe. Féminin. Occupation. Danseuse aérobique. Professionnelle. Hobby. Alpinisme. Couleur de cheveux. Brun. Voiture. Limousine de luxe. Signe particulier. Étoqué de bijoux chiots. Haute aime manger épicé. Sophie Stiquet. Nom. Sophie Stiquet. Sexe. Féminin. Occupation. Propriétaire d'un bar à yaourt. Hobby tennis. Couleur de cheveux. Blond. Voiture. Limousine Bugatti. Signe particulier. On dit qu'elle est tatouée. Autre adore déguster des fruits de mer. Agatha Woman. Nom. Agatha Woman. Sexe. Féminin. Occupation. Ancienne chanteuse de rock. Hobby tennis. Couleur de cheveux. Roux. Voiture. Coupée d'anguille. Signe particulier. Porte une bague ornée d'un diamant de la taille d'un petit pamplemousse. Autre traverse les campagnes à la recherche de restaurants mexicains. Édouard Zemetier. Nom. Édouard Zemetier. Sexe. Masculin. Occupation. Ex-ingénieur. Hobby. Alpinisme. Couleur de cheveux. Roux. Voiture. Décapotable. Signe particulier. Tatoué d'une sirène sur le pouce droit. Autres adorent les crustacés. Rémi Fassol. Nom. Rémi Fassol. Sexe. Masculin. Occupation. Guitare folle. Hobby. Pétanque. Couleur de cheveux. Roux. Voiture. Limousine aux vitres teintées. Signe particulier. Porte une bague ornée d'un diamant rose de 5 carats. Autre. Un fidèle serviteur de 2 mètres surnommé. La suite peut manger son poison galette. Yvan des infos. Nom. Yvan des infos. Sexe. Masculin. Occupation. Ex-détective privé. Hobby. Alpinisme. Couleur de cheveux. Noir. Voiture. Moto Harley Davidson. Signe particulier. Aime porter un feutre mauf à bord relevé. Cieux noisettes et moustaches. Autre. Adore la cuisine mexicaine. Porte une bague dite Tracy. Marco Chaunet. Nom. Marco Chaunet. Sexe. Masculin. Occupation. Joueur mondial de pétanque. Hobby. Pétanque. Couleur de cheveux. Noir. Voiture. Décapotable. Signe particulier. Laisse toujours une épingle en diamant sur le lieu de ses forfaits. Autre. Toujours habillé et coiffé de manière impeccable. Aime la cuisine italienne. Griche Catastrophe. Nom. Griche Catastrophe.
Sexe, masculin. Occupation, prétendante, rhumsatiste. Hobby, pétanque. Couleur de cheveux, blond. Voiture, limousine. Signe particulier, étrange tatouage ukrainien sur son épaule droite. Autre, adore manger de la langouste et regarder des dessins animés. Analyse de Sand. Nom, analyse de Sand. Sexe, féminin. Occupation, coureur motocycliste. Hobby, alpinisme. Couleur de cheveux, brun. Voiture, Honda 1000. Signe particulier, un aigle tatoué sur le biceps gauche. Autre, cuisine bien les fruits de mer fascinés par la santé, l'aérobic. New Delhi, lundi 11h. Conservateur. Elle n'arrêtait pas de poser des questions sur la Sparte antique. New Delhi, lundi 14h. Hôtesse. Elle a demandé un siège-fenêtre pour pouvoir voir les monts du Pinde. Elle a claironné qu'elle aimait les sports à risque. New Delhi, lundi 18h. Soldat. Elle est partie dans un véhicule portant un drapeau bleu et blanc. Athènes. Athènes, lundi 21h. Athènes est la capitale de la Grèce où se trouve le célèbre temple du Parthénon. Sa population dépasse les 3 millions d'habitants, ce qui est en fait la plus grande ville de Grèce. Athènes, mardi 8h. Un comparse du MAL. Vous êtes sûrement sur la bonne piste. Tennisman. Elle a dit qu'elle allait partir sac à dos pour le pays des volcans. Les bijoux qu'elle portait étaient éblouissants. Athènes, mardi 11h. Douanier. Elle est partie dans un bateau arborant un drapeau rouge et bleu. Athènes, mardi 15h. Colporteur. Elle cherchait à réaliser une bonne affaire sur les navets, elle avait les cheveux bruns. Prêt. Sexe. Féminin. Hobby. Alpinisme. Cheveux bruns. Signe. Bijoux. Analyser. Patienter. Suspect, Véronique et Davina, mandat d'arrêt, délivré contre, Véronique et Davina. Athènes, mardi 18h. Moroni. Moroni, mardi 21h. La principale industrie de l'archipel des Comores est le parfum fabriqué à partir de plantes qui poussent sur les îles. Moroni, mercredi 8h. Vice-président. Désolé, je n'ai jamais vu la personne que vous cherchez. Athènes, mercredi 11h. La Grèce est un pays montagneux doté d'une côte très découpée et de milliers d'îles comme la Crète, Rhodes, Délos et Mykonos. Katmandou. Katmandou, mercredi 14h. Katmandou, capitale du Népal, est située en altitude sur la chaîne de l'Himalaya. Non loin de là se trouve le mont Everest, le plus haut sommet du monde. Katmandou, mercredi 16h. Groom. Nous n'avons vu passer personne répondant à ce signalement. Athènes. Athènes, mercredi 19h.
Athènes est la capitale de la Grèce où se trouve le célèbre temple du Parthénon. Sa population dépasse les 3 millions d'habitants, ce qui est en fait la plus grande ville de Grèce. New Delhi. New Delhi, mercredi 22h. New Delhi, avec ses 5 millions d'habitants, est la troisième plus grande ville d'Inde qui compte en tout 750 millions de personnes. New Delhi, jeudi 9h. Barman. Désolé, je n'ai jamais vu la personne que vous cherchez. Athènes. Athènes, jeudi midi. Dans l'Antiquité athénienne était une ville-état, dont les affrontements avec Sparte, sa voisine, sont restés fameux. Elle contribua de manière éclatante et durable à l'avancement des sciences, de la philosophie, des arts et du théâtre. Reykjavik. Reykjavik, jeudi 15h. Le Parlement islandais Alþing est le plus ancien du monde, il date de 930. Reykjavik, jeudi 17h. Le directeur. Elle a demandé où se trouvait le fleuve Parana. Reykjavik, jeudi 20h. Douanier. Elle est partie dans un voilier arborant un drapeau bleu et blanc. Elle avait les cheveux bruns. Reykjavik, vendredi 9h. Ambassadeur. Elle a dit qu'elle comptait déjeuner avec le président. Athènes. Athènes, vendredi midi. La Grèce est un pays montagneux doté d'une côte très découpée et de milliers d'îles comme la Crète, Rhodes, Délos et Mykonos. Athènes, vendredi 14h. Vice-président. Désolé, je n'ai jamais vu la personne que vous cherchez. Reykjavik. Reykjavik, vendredi 17h. Reykjavik, capitale de l'Islande, est un port pittoresque qui regroupe plus du tiers des 250 000 Islandais. Buenos Aires. Buenos Aires, vendredi 21h. Buenos Aires, capitale et plus grande ville d'Argentine, possède une atmosphère cosmopolite grâce à ses résidents français, allemands, italiens et anglais. Buenos Aires, samedi 8h. Groom. Elle voulait connaître les tarifs de passage du canal de Suez. Elle avait les cheveux bruns. Buenos Aires, samedi 11h. Réceptionniste. Elle voulait un livre sur les techniques de momification. Buenos Aires, samedi à 15h. Sous-secrétaire. Elle a dit qu'elle comptait prendre le thé avec le raïs. Elle avait les cheveux bruns. Le Caire. Le Caire, samedi 20h. Les pyramides construites il y a des milliers d'années par les pharaons d'Égypte attirent aujourd'hui les touristes par milliers.
Le Caire samedi 22h. Guide, elle a dit qu'elle allait explorer le massif de l'Oural. Le Caire dimanche 10h. Hôtesse, elle a dit qu'elle partait pour le plus grand pays du monde. Le Caire dimanche 14h. Conseiller, elle est partie dans un véhicule portant un drapeau rouge. Moscou. Moscou dimanche 16h. Moscou, capitale de l'URSS, abrite l'ancienne forteresse du Kremlin, lieu de résidence des tsars de Russie jusqu'en 1712. Moscou dimanche 18h. Message d'Interpol. Mauvaise nouvelle. Il apparaît que Véronique et Davina vous affilent entre les doigts parce que votre enquête a traîné en longueur. Prêt pour l'enquête suivante. Game abandon. Oui. Non.